allez bien, moi en tout cas ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo routine. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo routine d'après séance parce que c'est la toute première sur la chaîne, mais c'est pas la première routine et moi j'aime bien les routines, comme ça ça vous montre un peu ce que je fais dans mes habitudes. Comme d'habitude, j'espère que ça vous plaira. Dans cette balade, comme Delia l'avait bien sué, il fallait vraiment bien retourner les poils pour qu'ils sèchent et les secouer, entre guillemets, dans tous les sens. Donc du coup, je passe un petit coup de Magic Brosse en faisant des ronds comme si c'était une étrille. Et puis les membres, il faut pas non plus les oublier. Tout simplement parce que c'est important de les nettoyer pour pas qu'il y ait du sable ou de la terre. Ensuite, un petit coup de bouchon, ça c'est vraiment pour remettre les poils en place et surtout ça fait du bien au cheval. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais Delia, elle lèche le mur. Voilà. Évidemment, on n'oublie pas de curer les pieds après les balades, la carrière, même tous, n'importe quoi. Il faut curer les pieds parce que sinon il peut y avoir des cailloux et le sable c'est pas super agréable. Généralement je le fais en dernier pour le pansage parce que Delia elle aime pas forcément tenir sur trois membres. Du coup comme ça, ça lui permet de tout simplement souffrir à la fin entre guillemets. Donc là je m'excuse vraiment parce que en fait il n'y avait pas de lumière, l'électricité elle a sauté, il n'y avait même plus d'eau quasiment. Donc voilà, je m'excuse, du coup il n'y avait pas de lumière, mais j'ai quand même voulu vous filmer ça parce que c'est la partie la plus importante. C'est la partie préférée de Delia puisque c'est l'heure de manger. Donc je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est pas la même poubelle puisqu'elle n'est pas au même endroit. Et oui, parce que nous on a plus de grains, voilà, on a plus de fauconnets et c'est pas possible de louper un repas avec Delia. Du coup, on en emprunte un petit peu à une amie. Pour ce qui est nourriture, Delia elle accepte vraiment n'importe quel grain, je pense. Généralement, on prend du horse pack. Se digère plutôt bien et puis Delia elle a l'air bien d'aimer, donc en fait c'est un mélange de granulés, de flocconnets et voilà, je pense qu'il y a aussi de l'orge, voilà, il y a plein de bonnes choses pour les chevaux. En revanche, on continue toujours
avec les produits pour les diarrhées de Delia, parce que oui, évidemment, ça continue, puisque c'est chronique, il faut toujours trouver des produits, des poudres, voilà, des choses qui marchent. Je n'ai pas le nom, voilà, de la poudre, de cette poudre-là sous la main, mais ben voilà. Dans la ferme, on dirait qu'il est 20h alors qu'il est même pas encore 18h. C'est vraiment stupéfiant. Parce que c'est vraiment, ça va... Quand on est parti, franchement, c'était la nuit noire. Comme on le voit, il y a encore des petites traces de sueur au niveau de la selle. Enfin, au niveau de l'endroit où il y avait la selle. Mais bon, on peut pas non plus tout enlever. Et je sais que Delia, elle va forcément se rouler. Dans cette balade, on est également parti avec Iris et Cabu. Donc franchement, c'était une bonne petite balade qu'on a l'habitude de faire, mais c'était cool. On voit que les traits de ta bombe. Regarde. Là, oui, mais dans ce sens-là. Et toujours la petite douceur de fin de séance, le petit bonbon. Bon bah sur ces belles images de Delia la nuit, voilà, avec une lampe torche, on va se quitter. Donc j'espère que cette vidéo routine vous aura plu comme d'habitude, et moi je vous dis bye bye et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut !